Bonjour! Quelle aventure! Quelle aventure! Oula! Voilà. Ça va? Ouais, ça va. Ça a été. Le début de la journée était chill. Et puis après, c'était pas chill. Il m'est arrivé des dingues. Enfin, des dingues. Disons que Qu'est-il je me suis fait passé? un peu avoir. Merci Kirbou. On est déjà en février. C'est vrai. Profitez bien des quelques jours. C'est une année bissextile ou pas? 2000-2004. Je crois que c'est une année bissextile. Hein, année bissextile. Je crois que c'est bissextile. Ouais, on va avoir un 29 février. Let's go. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés le 29 février? Je voulais mettre de la musique. Et ouais, il y a 366 jours cette année, les boys. Bon, je me suis fait drama la gueule aujourd'hui. Je me suis fait double drama la gueule aujourd'hui. Hop. Mais ça, je suis content. Enfin, je suis content. Ouais, à cause du tweet, ouais. Bah, j'ai fait un tweet, en gros. Séparons ça. J'ai fait un tweet. Et le tweet, c'était une image qui, en gros, critiquait un peu les. Enfin, critiquait. En gros, je vais vous montrer l'image, ce sera plus simple. Je crois qu'elle est dans ma corbeille, l'image, donc. Je reset les Pokémon parce qu'il y en avait qui étaient coincés. Ok, donc alors attendez. Je vais juste me TP aussi au minage pour les activer. Et puis après, on va regarder ça pendant qu'ils travaillent. Comment je vais dans ma corbeille? Parce que j'y ai pas accès dans. Comment on va dans sa corbeille? Parce que ma corbeille, elle est sur mon bureau. Il y a un raccourci pour la corbeille? Corbeille. Corbeille. Ah ouais, ok. C'était l'image, c'était. Je sais même pas où elle est. Je crois que j'ai supprimé l'image. Attendez, je vais vous le trouver. En gros, c'était ça. Hop. C'était ça l'image. Donc en gros, c'est une image. C'est une image du Nord Chidrong où il y a un truc en mode un mec qui est en mode devant plein de burgers qui dit. Les burgers, ça dit Pokémon Méga Ultra Plus Cellular Hardcore, Pokémon Mec avec des Shiny, finir Pokémon sans Pokémon, nanana. Là, il y a marqué Streamer Pokémon. Et ensuite, il y avait marqué Fildrong et le lore des Let's Play. Et c'est Bob l'éponge avec un seul burger. Et en fait, l'idée du tweet, c'était, en gros, la mode actuellement, c'était de faire des vidéos challenge. Il est mort. C'était de faire une vidéo en mode, bon bah voilà, la mode actuelle, c'est de faire des challenges et il y a beaucoup de youtubeurs qui font des challenges, ce genre de trucs. Et moi, je fais des trucs plus simples où je me concentre sur le lore. C'était littéralement c'était le seul truc qui était dans la vidéo. Et en fait, du coup, bah, il y a des gens qui ont pris qui ont pris mon truc comme une critique, en fait, si vous voulez, des streamers et des youtubeurs Pokémon qui font beaucoup de challenges. Notamment en première ligne, parce qu'on est en France, Josplay. Voilà. Et du coup, bah, Josplay, il a répondu, et pas méchamment du tout, d'ailleurs, il n'a pas du tout répondu méchamment. Et du coup, il y a eu des gens, en fait, pour balancer un peu ça en mode drama, en mode oh là là, regardez. Nya nya nya, Fildrong, il est méchant,
ce genre de truc, quoi. Du coup, j'ai supprimé le tweet et j'ai dit, non, mais vous êtes matrixés, les gars. C'était, le but, c'était pas du tout d'être... Ah, des Lovender. Oh, ils sont haut niveau, c'est trop bien. Mais elles sont nombreuses! Ah, mais j'ai plus de flèches. Je leur tire dessus au pistolet. Et du coup, bah, j'ai supprimé le tweet en disant non, mais vous cassez les couilles. C'était pas du tout en mode je visais personne en particulier. C'était juste en mode bah, moi je suis pas à la mode. Mais les gens ont pris ça en mode bah, c'est moi le meilleur. Mais c'est pas en mode c'est moi le meilleur. C'est juste en mode bon, bah voilà, moi je fais pas comme. Je fais pas comme ça, quoi. Mais du coup, c'est nullissime. Donc voilà. Donc voilà, j'ai dû régler un peu le problème en mode arrêter de casser les couilles, et j'ai posté un autre truc en mode ça suffit maintenant les enfants, vous cassez les couilles. Donc voilà, bon, comme d'habitude, t'as trois mecs un peu brillants qui gâchent un peu la... Qui gâche un peu la fête, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai réglé le problème, je suis allé sur le stream de Josplay pour m'excuser. Mais tu vois, c'est toujours chiant de s'excuser au nom de sa commu, quoi. C'est pas agréable. J'ai lui, là, qui s'est coincé, là. Voilà. Donc, ça m'a un peu saoulé, cette histoire. Et alors, il n'y a pas eu que ça, parce que à côté de ça, il y avait une meuf à qui je parlais sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres depuis quelques semaines, même un peu plus d'un mois. Et en fait, cette meuf, elle était assez toxique. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, vas-y, je suis un peu balancé mes quatre vérités en mode meuf, je suis désolé, mais il faut que je te le dise, tu es une meuf toxique. Puis après, j'ai dit, bon, bah voilà, je m'en veux pas, mais je veux pas de personnes toxiques dans ma life, donc je t'enlève des réseaux. Et là, pour le coup, je n'irai pas dans les détails sur en quoi elle était toxique, parce que ça vous regarde pas, mais voilà. Du coup, voilà, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui pour mon petit cœur. Parce que c'est quand même une meuf avec qui je l'avais beaucoup vue. Je l'avais beaucoup vue, du coup, en décembre. Et on était assez proches, tu vois. Enfin, on était quand même assez proches. Elle avait accès à Toxic Abri. Ah, elle avait vraiment Toxic Abri. Hein. C'était vraiment ce genre de meuf. Hein. Mais bon, voilà, il faut savoir se séparer des relations toxiques. Même si une personne nous plaît, il faut reconnaître quand une personne est toxique. En l'occurrence, c'était le cas. Le sexe tarifé a des vertus que tu n'imagines même pas. Ok, mon gars. Alors, bon. La dernière fois, on a pas mal exploré. On s'est rendu compte que le monde était gigantesque aussi. Je pense qu'on va continuer d'explorer par là. J'aimerais bien refaire elle, là, Pétalia, là. Je sais pas si elle est up. J'essaie de les capturer, les Pétaliens. Enfin voilà, donc du coup je suis assez soulagé, je vous avoue, de m'être débarrassé de ça. Et pour le truc avec Josplay, bah ça me fait chier, mais bon, ça va, c'est réglé, Josplay, il n'y a pas de mal, les communes ont compris,
C'est encore une fois l'histoire des trois relous qui gagnent, mais c'est pas très grave, quoi. Voilà. Alors attendez, je vais baisser le son de la musique. J'ai changé le mix de musique aussi. Parce que Omi avait des problèmes avec les rediffs. Allez. Ah merde, il est KO Warsect, je me rappelais pas. Ah non, résurrection du boss dans 10 minutes. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de malentendu. Oui, exactement, tout à fait. Et en l'occurrence, il n'y a plus de malentendu. Par contre, j'ai plus de flèches. Ouais, bon. Les musiques étaient claim. Ouais, c'est exactement ça. Il y avait des musiques qui étaient claim. Vous savez, là, le mix que je mettais, là, il y avait quelques musiques qui étaient claim. C'est dommage parce qu'il était très cool, mais bon. Le boss électrique du volcan, tu l'as battu? Non, mais je suis allé faire un autre, du coup. Demain, c'était une mauvaise journée. Mais c'était même pas une mauvaise journée, hein. En vrai, attention, hein. Je suis content d'avoir... Vous savez, moi, je suis un mec très gentil, et quand quelqu'un se comporte mal avec moi, et que je tiens à la personne, je suis très... tu sais, je marche sur des... Je sais que j'ai une image un peu de mec bourrin, mais pas du tout. Je suis quelqu'un de hyper gentil et... qui a tendance à me faire un peu, pas marcher sur les pieds, mais tu sais, j'ose pas trop dire... Enfin, disons que j'essaie d'arrondir les angles souvent, tu vois. Et du coup, bah, je ressentais un peu ça et tout. Et là, aujourd'hui, il y a eu un autre problème. Et je lui ai dit, honnêtement, meuf, viens, on s'arrête, quoi. Alors là, il y a un donjon, mais je vais juste mettre mon Pokémon... T'aimes pas le conflit. Alors, j'ai aucun problème avec le conflit, c'est juste que je suis quelqu'un qui peut être très agressif avec les gens dont je m'en fous. Mais avec les gens qui comptent, j'essaie toujours de faire très attention à bien... à être un mec bien. Voilà, disons-le comme ça. Je vais quand même récupérer des flèches parce que du coup, j'ai un arc, mais j'ai pas de flèches. Tu finiras par trouver la bonne. Oui, 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 bien sûr. On va en faire quelques-unes au cas où. Quand même. Ça parle de quoi? Ça parle des difficultés d'être célibataire. Allez, en avant. Ok, donc on était ici. Oui, ça va, Armand? Mec, je te raconterai à l'occasion plus en détail, mais... J'ai esquivé une balle avec une meuf. Je te jure, si j'avais fait un truc avec cette meuf, j'aurais été dans le Genjutsu d'Itachi, tu vois. Merci Nekomatar pour ton sub. Allez, en avant, Guingamp. Hop. Merde, je me trompe d'attaque. Oh. J'ai esquivé le coup critique. En vrai, ouais, de ouf. Oh, des grintes. Ils sont gros, les grintails, hein. Ils sont agressifs ou pas? Non. Ah, alors le soufre. Il me faut du soufre. On avait dit qu'il fallait que j'aille dans un... en thread depuis tout à l'heure. Ouais. Ah non, mais c'est du métal ici, c'est pas du soufre. Hein. Je pensais que c'était du soufre ici.
Parfois, c'est du soufre. Bah, il est mort. Elle est pas mal à avoir dans le camp. Je vais essayer de le capturer. Ah, il faut que je coupe la musique. Voilà. Alors, toujours à gauche, hein, on l'a dit, hein, la technique, évidemment. Donc là, on est dans un donjon un peu plus haut niveau qu'avant. Faut que j'inverse. Je m'étais habitué à eux pour le pal dans l'équipe. Pourquoi 4... Ah, je l'ai capturée. Elle est dans mon équipe, du coup. Micheline, je voulais inverser Croc Sauvage. Tir puissant ici et Croc Sauvage. Ah, j'ai rayon puissant. C'est quoi la différence? Ah non, moi, c'est rayon puissant que je veux. Oui. Voilà. C'est bon, là? Non, ça a pas changé. Attends, peut-être parce que je suis... Faut que je... Ok, c'est bon. Nice. Alors, toujours à gauche. Et si je trouve du soufre, donc c'est des trucs jaunes, on est bon. Ah, j'ai déjà trouvé le boss. Bah merde, alors. Attends, c'est pas le boss? Bah si. Mais pourquoi y a pas de boss? Ah, c'est Gelcla... Oh, il est niveau 29 quand même, le monsieur. Je vais essayer de le capturer. Ça pourrait être pas mal dans mon équipe, peut-être à la place de... J'ai des terres à se faire en plus. Alors on va tuer eux d'abord. Le fait d'être arrivé à l'ère des flingues, ça me fait beaucoup rire quand même. Oh non! Mais il est où? Ah, mais il est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, heureusement que le jeu est en early access, hein, parce que sinon... Voilà, mon gars! Il est où? Non mais c'est une blague. Bon, je le touche de loin. J'aimerais bien qu'il vienne. Mais en vrai j'ai pas fini d'explorer. Il faudra que je revienne en arrière en vrai. Mais il est où? Mais il prend des dégâts tout seul ce débile. Mais il est où? Il est là. Ça va, j'ai eu du premier coup. Oh nice, on a level up. Eh, niveau 30. Du coup, j'aimerais bien quand même trouver du soufre. J'aimerais bien en profiter parce que j'en ai besoin de beaucoup pour faire les terrasphères. Hein. La terrasphère, c'est giga puissant. Ouais, elle est forte. C'est comme l'hyperball, je pense. En fait, en fait, c'est même un peu plus puissant parce que là, on a Pokéball, Superball, Hyperball. Ah, je sais pas, c'est un peu dur. Je vais regarder s'il n'y a pas des spots avec du soufre. Je sais qu'il y en a dans ces donjons, donc j'aimerais bien... parce qu'il m'en faut plein. Idéalement, faudrait que je me stack en soufre. Ça, c'est du soufre? Non, c'est du métal. Il y a un monde où ça, c'est du soufre, par contre, non? J'ai du mal à voir avec le... Non, c'est du métal.
Le souffle, c'est pour les balles. Ah oui, pardon, voilà, c'est pour les balles, excusez-moi. Ouais, ouais. Mais du coup, j'en ai quand même besoin de beaucoup. Là, disons que j'en avais un peu et j'ai tout dépensé, quoi. Donc, il m'en faut. C'est jaune, hein, le soufre. Faut qu'on trouve jaune. Jaune, 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 jaune. Ah, bah, dis donc. Eh, mais mon petit cœur a un peu surchauffé. Vous savez, voilà, quoi. Comme toujours, quand tu fais du conflit, même si c'est un truc que t'avais sur le cœur et que tu voulais dire... C'était dur. Oh, j'ai trouvé une gigasphère. Je peux même pas l'utiliser. Ah non, si, gigasphère, c'est... Ah pardon, excuse-moi. Je croyais que c'était le... un corps supérieur. Mais non. Merde, elle est où la sortie? What the fuck? Hein? Oh, je suis coincé. Oh, je suis perdu. Par là? Oui, c'est là, c'est là, c'est là. Okay. C'est quoi l'histoire? Oh, rien. C'est, en vrai, c'est vraiment Osef. C'est, j'ai eu un des petits soucis avec une meuf. Rien de très grave. Bon, tu sais quoi, tant pis pour le souffle. On ira plus tard, on s'en fout. Alors, du coup, là, il y avait un boss que j'ai vaincu déjà, c'est bon. Ah ! Non, mais... Eux, ils sont chiants, ils sont super agressifs. Hein ? Robin des Bois, là. Hein. C'est bon, là ? C'est calme ? Ok, on veut aller où? Par là. Je voudrais explorer cette île. Hein. Le souffle se trouve que dans les donjons? Non, je pense pas. C'est pour ça que je vais pas non plus m'acharner, si tu veux. Enfin, j'en sais rien. Hein. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ne me le dites pas. Je veux pas me faire... C'est bon. Je sais qu'on en a dans les donjons. Donc au pire, c'est déjà pas mal. C'est quoi ça hein? Waouh! Hop. On perçoit avec son flingue, on dirait Duke Nukem. Un peu, ouais. Changer. Merci Rinto pour le sub offert, c'est adorable. Ah, il y a un camp là. Oh, et il y a des trucs là aussi. Est-ce que je capture plein de Gateclaw pour essayer de voir si ça peut pas être un remplaçant à plume dans le cul? Parce qu'il y a un monde où j'en trouve un qui est un peu fort et... Parce que le problème de plume dans le cul, c'est qu'il a pas les bons talents. Ah merde, attends. Stop, 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 stop. Plume dans le cul ne veut clairement pas se faire... abandonner. Mégasphère, ça va avoir un très... Ah, oh, ça va à 30%.
Non mais eux, agressifs là. Non mais oh. Est-ce que tu seras au festival de Limoges ce week-end? Oui, indubitablement, j'y serai. Et j'ai hâte d'y être. Caché. Mon pote chasseur vient de me dire on ne chasse pas un pigeon avec un magnum. C'est pas un pigeon, c'est un aigle. Du coup ça marche ou pas? Qu'est-ce qu'il en dit ton pote chasseur? Ouais, ça va être trop cool de vous voir à Limoges, j'ai vraiment hâte. Ici c'est toujours la mort. Oh, il y a un Gateclaw. Non, il se fait casser la gueule. Faut que je le capture vite. Ah non, faut. Oh, il est sorti. Non! J'ai mis viser le même. Vous cassez les couilles. Tiens, balle dans la gueule là, bim. PUBG là. Tiens, rentre dans la boule pour voir. Oh, il y a un autre donjon ici. On va peut-être trouver du. Non mais oh. Oh, il y en a encore. Il y en a partout. Aïe aïe aïe, j'ai mal. Ils sont si nombreux. Vas-y, plume dans le cul, tue-les. Il y avait d'autres choses ou pas dans ce camp? Non. Il y a le donjon par contre, on va faire le donjon. Putain, ma vie! Ils sont là, je les avais pas vus. Oups, je peux pas faire ça. Alors, ça c'est du soufre, je crois, pour le coup. À moins que ce soit ça. C'est jaune ça. Ah non, c'est du métal. Je crois que c'est ça par contre. Ça, ça doit être du soufre. Ah, ça y est, c'est vraiment jaune le soufre. Ok, j'ai trouvé. Nice. Bon, on va tout prendre. On va virer le métal, parce que le métal pèse lourd et j'en ai un infini. Je vais essayer en farm de ouf pour faire des balles. Si j'en trouve plus. Les 4S, c'est pas mal dans les camps, hein. T'as survécu ou pas? Ouais, vas-y, go. Bah alors? Mais. C'est quoi? Non, mais c'est une blague, j'en ai lancé 6 là. Alors, toujours à gauche. Oh, j'ai la flemme de vous affronter, vous, là. Quoi encore? What? Ça va?
Penses-tu faire un jour la convention Chibirouin? Si vous voulez que je fasse une convention, toujours la même réponse, demandez aux organisateurs de la convention de m'inviter. Voilà. C'est vraiment le meilleur truc à faire. C'est comme ça que je partis. Oh! Un Lumoon! Oh oui, c'est celui qu'on n'a jamais eu! On n'a jamais réussi à l'avoir celui-là. Je me rappelle. N'attaquez pas. Lui, à chaque fois, on a essayé de le capturer trois fois et à chaque fois, il se fait tuer par son pote ou... On va essayer de profiter du fait qu'il soit seul et isolé. Oh non, 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 non. Ok, c'est bon. Alors, toujours à gauche. Ah merde, il s'est basé. Il va vite le chien. Ouais, il est cool, hein. J'aime bien. Mais en fait, du coup, j'aimerais bien changer ma monture volante, en fait, finalement. Parce que du coup, quitte à garder un type normal, j'aimerais bien que ce soit le chien. Je sais que j'aime bien... Plume dans le cul, mais... je vais voir si je peux pas le remplacer par autre chose. Parce que je garde le chien en monture. Il est trop fort en fait. Enfin, il est trop agréable. En donjon, il est trop fort. Parce qu'il est très rapide et. Son temps est venu. Bah, je pense que ça reste un pal que t'as au début, quoi. Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a du soufre ici? Non, il y a un pal que j'ai pas. Alors, c'est quoi ce pal? What are you? A felbat. Darkrai. Ouais, bah oui, toujours. Ok. Darkrai low cost. En vrai, le design de base de Darkrai est pas incroyable, quoi. N'en déplaise aux fanboys. En 2D, il était ouf. Je sais pas, ça reste une sorte de... Pour moi, ça reste un blob noir avec, avec un foulard blanc, quoi. Et un œil bleu. Alors que Scorvol, les mecs. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Scorvol? Vous savez ce que je devrais apprendre par cœur? Oh, il pleut. Il nuit. C'est la nuit. Oh, la balle dans la tête en plein sommeil. Oh, je me sens un peu mal. Mais pas tant que ça, en vrai. Parce qu'ils sont quand même bien casse-couilles. Faudrait que j'apprenne la... Quelqu'un a le copy-paste du... Oh, c'est joli, ça. J'aime bien. Quelqu'un a le copy-paste du fan club Pokémon
Vous savez, celui où il dit « Ah, Galopa, il est si beau, il est si joli, machin, machin. » Il me faudrait la... Oh, un Lumoon, mais... Oh, le Lumoon, comment il a pris cher. Ah oui, comment il... Attention, parce que... Ah oui, c'est le boss, lui, en plus, hein. Je vais peut-être me mettre dans la zone où il y a... J'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Oh, Mishin prend cher. Oh là là, il est mort. Ok, faut que je capture l'autre. Il me reste pas de balles, j'ai plus de balles. Oh non, il est tombé lui aussi. Mais c'est pas possible, vous êtes... Et vous êtes turbo con. Attends, Mishin va mourir, j'ai pas envie que Mishin meure. Tiens, vas-y. Tu vas te battre ou pas? Ma vie. Soigne-moi, s'il te plaît, merci. C'est un score vol de Wish. Non, mais au bout d'un moment, vous voyez vraiment des... C'est dans quel jeu, la tirade du fan club? C'est dans Pokémon Rouge et Bleu. Et j'attends que mon shield soit remonté. Calme-toi, mon bro. Non! Tu fais trop mal! Péta approved. Bon, c'est pas grave, j'en ai déjà un. Elle l'a défoncé. Bah, je pensais qu'il pouvait en tanker une de plus, mais il pouvait pas. C'est la nuit, les boys. Vous savez ce qu'on fait la nuit dans ce jeu? On cherche les lumières vertes. Oh, il y a lui aussi. Elzéphir, est-ce qu'on peut le ride? Je pense que oui, hein. De type passier. Merci, ramène au port. En fait, je cherche un Pokémon monture à remplacer. Ah oui, il est feu, lui. Ah ouais, vas-y, il me le faut dans l'équipe. Oh, il a repoussé. Il a repoussé ma balle. Non, mais lui, il faut une gigasphère au moins. Voilà. C'est notre deuxième. Donc il nous en faudrait 5 idéalement des Elzéphir. Merci ramène au port, hein. Merci beaucoup. J'adore ton pseudo comme toujours. Je te le dis à chaque fois que tu subs, mais... Il me reste 0 balles. Donc là je peux littéralement plus attaquer. On va peut-être s'arrêter. Enfin, s'arrêter. On va peut-être aller refaire des balles. Ah ouais, par contre, les balles, ça part très très vite, hein. Il faut vraiment... J'ai combien de soufre, là? 40. Si c'est 40 par donjon, ça va. Je crois que c'est dans les portes. C'est au début des donjons, en plus, qu'il y en a, donc ça va. Alors, ce qui me fait un peu chier, c'est que j'ai buff de ouf plume dans le cul, donc il va falloir que je lui enlève tout. Et ça coûte extrêmement cher. Je sais pas si j'ai les moyens. Ça coûte genre 70 000 PO. Non, j'ai clairement pas les moyens. Donc en fait, je peux pas encore le faire. Mais disons que c'est un setup pour plus tard, quoi. À quoi servent les lumières vertes? Les lumières vertes, ça te permet d'upgrade... En fait, tu les récupères et après, ça te permet d'upgrade les... comment on appelle ça? Tes chances de capture. On va descendre pour voir. Donc il y a 10 niveaux au total et moi j'en suis à 7 je crois.
Mais à chaque fois, il en faut plus, quoi. Donc, bah, je pense que les derniers niveaux sont très très longs à faire. C'est pour ça que j'essaye de les choper. Dans les zones que j'explore, tu vois, voilà, j'essaye de faire comme ça. Et là, on les voit, là, tu vois. Il faut profiter du... On en voit une là-bas. Il faut profiter du fait que ce soit la nuit, parce que la nuit, bah, comme c'est illuminé, tu les vois mieux. Quand le jour se lève, tu les vois beaucoup moins bien, en fait. Donc c'est pour ça que j'essaie de les... C'est quoi ton objectif aujourd'hui? J'ai pas vraiment d'objectif, je continue l'exploration. Je découvre l'utilisation du pistolet également. Qui est vraiment très très fort, mais problème consommation de balles vénère. Tu vois, là, tu vois, voilà, c'est ça. Je sais pas qui, si t'es encore là, celui qui a posé les questions. Mais là, on voit plus la lumière, parce que le jour s'est levé. Enfin, on la verra quand on s'approchera, donc c'est beaucoup plus difficile. Ah, s'il te plaît! Donc en fait, quand j'explore et que c'est la nuit... Ah mais sérieux. Quand je suis sur une exploration mais que c'est la nuit, du coup j'essaye de focaliser les lumières vertes justement. Tiens là il y en a une je crois, non? Oh, dis donc c'est la fête ici. Tir puissant, flèche de feu, l'inventaire est plein. Ah, des balles de pistolet. J'ai eu les balles de pistolet? Non. Bon, il y en avait trois, mais... Ça respawn ou c'est fixe? Non, justement, c'est fixe. C'est pour ça que, du coup, il faut... Ouais, c'est pour ça que je les prends, quoi. Si tu veux. Je cherche du soufre. Donc là, on commence à avoir exploré cette petite île ici, là, qui est au nord du coup du truc. Là, il y a un truc vert. Là, il y a un œuf. C'est un nouveau micro? Ouais, c'est un nouveau micro. C'est vraiment un nouveau micro. C'est pas seulement les réglages, c'est vraiment un nouveau micro. J'espère que tu aimes. Ça va, Cartos? T'es prêt à remporter le tournoi, le circuit d'Ojama. C'est pour ça le côté étouffé. C'est pas étouffé en fait, c'est ma voix en fait. C'est juste que avant ma voix, elle était modifiée. Elle sortait en mode ultra saturé et tout, donc il faut vous habituer. C'est pas vraiment ma voix qui est étouffée, c'est plus le Vous aviez tous validé. Oui, non, mais je sais que globalement ça vous plaît. Là, il y a un Elisabi niveau 31, mais j'ai plus de balles, sadly. Donc on va devoir s'en aller. Il faut que je refasse des balles. Voilà la tirade de Galopa. Mon préféré, Scorvol. Il est mignon, beau, rapide, élégant. En feu, nous, il faudrait mettre en poison. Il fait pataclope, pataclope. Faudrait qu'on l'adapte et qu'on en fasse une. Attendez, je vais changer la. Alors. Mon préféré, Scorvol. Il est mignon, beau, rapide, élégant. Sombre. Il fait flap flap.
Il fait flap 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 quand il vole. Quand il plane, parce que quand on vole, c'est un planeur. C'est super, non, je l'aime, je lui fais des câlins, des poutous, des gnagnants, des zigou-zigou. Regarde l'orge. Voilà! Est-ce qu'un modérateur peut créer une commande avec ça et faire point d'exclamation score vol? C'est très important pour la science. Comme ça, quand les gens demandent « Fildrong, c'est quoi ton Pokémon préféré ?» Vous pourrez faire point d'exclamation score vol. Et voilà, score vol. Ah, trop bien. J'adore me fait beaucoup rire cette tirade. Je lui fais des poutous, des gnangnans, des zigou-zigou. Est-ce que votre Pokémon préféré, vous lui faites des zigou-zigou, vous, les gars? Ou est-ce que non? Il dit vraiment ça, premier degré. Moi, j'aimerais bien avoir un score vol. J'aimerais bien voler sur le dos de mon score vol. Bof. Sneeze est toujours là pour ruiner le mood. Tu veux pas retourner te faire tatouer une 30e fois, là? Et dire aux gens d'aller à la salle de sport? T'as loupé une statue verte. Ouais, ça arrive de temps en temps, parce qu'il y en a beaucoup, si tu veux. Galam. Arrête, t'es négatif. Vous pouvez dire à Sneeze qu'il est négatif. Quand on aime, on ne compte pas. D'accord? Regarde mon flingue. Après, imagine ton Pokémon préféré, c'est Galam. Je comprends que tu sois un peu frustré, tu vois. Quand à côté, il y a des gens, leur Pokémon préféré, c'est Scorvol. Toi, ton Pokémon préféré, c'est Galam. Enfin, je sais pas quoi. C'est, je veux dire. Évidemment, quoi. Oh! Ah, il est là, Elisabi. Mais j'ai pas de balle. Comment je fais? Oh, j'ai trop envie de le faire. Mais elle est 31 et j'ai pas de balle. Vous pensez que mes Pokémon suffiraient? Oh là là, je vais me faire casser le cul, c'est ça. Hein. Après, il a pas l'air agressif pour l'instant. Oh, il y a une... Va peut-être y avoir des balles de pistolet ici. Mais j'avais pas pris des flèches, je comprends pas. Ah mais si! Ah mais j'ai un arc triple au pire. Hein? Qui m'attaque? Hein? Ah! Je suis mort. Mais super! Eh super! Eh bah, t'inquiète pas, je vais revenir avec des balles. On va voir ce qui va se passer, mon bro. Hein. Ah bah non, je peux plus. Il est surpuissant ou t'es bas niveau? Je dirais que c'est surtout que j'y suis allé comme un... Je voulais prendre le coffre. Voilà, voilà la réponse de ma mort. Voilà la raison de ma mort. Ok. Mais j'ai plus de balles! Bon, je vais reprendre mon arbalète. Attendez, j'arrive. T'as tué mon bonhomme? Non mais surtout, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il m'attaque, ces bâtards. Oh non, je suis mort si loin. Non mais surtout, moi, je voulais juste... Bon. C'était où? C'était... Ok.
qui me tire dessus. Pourquoi je me fais... J'ai entendu un bruit de braquage. Oh, je sais plus où c'était l'entrée. Oh, et je suis en train de me divertir. Attends. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Ah, c'est là. Oh non, il y a des connards de niveau 21 qui ont pop. Attends. Je vais les esquiver, ils vont pas me voir. OK, c'est bon. Je crois qu'ils m'ont vu, mais c'est pas grave. Bon. En fait, le problème, c'est que je me suis pris un bad combo parce que je me suis pris une attaque. Et derrière, je me suis fait exploser dessus par des bigardes. Oh, ils ont ripop. Comment je vais faire? Faut pas qu'ils me voient. C'est bon, ils m'ont pas vu. Attends. Ok, on va se battre avec ça. Pendentif d'attaque. Il est où mon autre pendentif? J'avais pas un autre pendentif? Ah bah il est là. Lol. Ah chiant. Vas-y, faut que je jette des trucs. Vas-y, coupe rafale, on va lui apprendre. On peut pas. Mais j'en sais rien, moi. Non! Je veux juste trier mon inventaire, bordel de bite! Leave me alone! Ça m'énerve! Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Tac, tac. On va acheter du cuir là, voilà. Ok, je suis prêt à aller me battre. Mais il tire sur... Ah! Ah oui, ça fait mal. Mais... Mais ça va ? T'es où, ma... Ok. Vas-y, c'est parti! Et voilà, comment je l'ai attiré avec son piège là? Putain, mais il y en a un autre, des bigardes, mais il y a des bigardes sont partout. Ok, je cours. Aouh. J'essaye de le faire exploser en fait. Ça y est, il explose. Mais d'où ? Vas-y, ça rend ouf de ouf ! Putain, je veux... J'essaie juste d'avoir un setup, mais il est dans sa grotte de merde là. De type passier. Je suis frustré. Merci, Iruka. Putain, ça casse trop les couilles. Et Michine est mort en plus. Bon, ok. Concentre-toi. Pas un Pokémon qui peut se battre. Tiens, lui, là. Rolexorus, là. On va essayer. Ok. Putain, je vais finir par y arriver quand même. Merci Noni pour le sub. En fait, le problème, c'est que j'ai du mal avec ce genre de setup. Parce que je suis quelqu'un qui...
je suis quelqu'un qui a besoin de d'être dans un mood je lance le combat. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me retrouve comme un con. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'aller chercher mon stuff. J'ai vraiment pas besoin. Je pouvais faire le combat. Mais comme un débile, j'étais en mode non, il faut absolument que je récupère mon stuff. Donc je suis vraiment trop con. C'est ça le problème. Mais j'ai tellement l'habitude des trucs tour par tour que du coup, bah, je me suis fait niquer. Merci d'Azai Stream en tout cas. Bon, allez, on se concentre. Fais ça mieux. Bon, est-ce que toute sa team a respawn ou ça va? Parce que c'est ça aussi qui est chiant. Son entourage de mort, là. Ah ouais, ça respawn à chaque fois. Ok, bon, cette fois, j'espère qu'elle va pas m'aggro. Ouais, mais elle va sur mon inventaire, cette débile. Pourquoi subitement je porte trop de poids? Oh non. Non. On m'a vu. Mais putain, mais ça me casse les couilles! Je suis... Pourquoi? Mais... Pourquoi quand... Tout à l'heure j'avais pas trop de poids et maintenant j'ai trop de... Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi tout à l'heure ça passait et là subitement j'ai trop de poids. Putain. C'est parce que j'ai pris des flèches, je pense. Non mais c'est pas possible, j'arrive même pas à me battre en fait. Non mais c'est incroyable quoi. Je crois legit que c'est la première fois que je galère autant sur un boss alors que j'ai même pas affronté le boss. T'as ramassé du cuir. Oh non, il s'est ramassé tout seul ce débile. Quel enfer. Moi qui voulais juste aller refaire des balles de pistolet. Putain. Bon, j'ai rapproché un peu mon stuff. C'est déjà ça. Pour éviter l'explosion, cours. Mais je sais que il faut courir pour éviter. C'est pas ça le problème, mon gars. C'est pas ça qui m'a tué. Ce qui m'a tué, c'est que j'étais en surpoids et que je me suis fait aggro et que j'étais en surpoids et que je me suis fait enchaîner. Ok, bon, bah là, je suis encore en surpoids, mais cette fois, je peux m'en aller. Bon, c'est bon, on va pouvoir faire ça bien. Yes, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Enfin. Bon, alors. Oui, c'est parce que j'ai récupéré ça et ça pèse trop lourd. Oh, mais j'en sais rien, qu'est-ce que je jette Oh non. Non, elle m'a aggro. Et j'ai pas réglé le problème. Bon, je vais jeter l'œuf en attendant. Voilà, je jette ces deux œufs. Je vais jeter le relaxosaurus. Non, il est gigantesque, il me coûte tout. Ça traverse. Putain, mais super quoi le setup pour se battre. Hein. Vraiment super. Hein. Ah, ça y est. Nice. Elles se sont toutes fait péter. Et j'ai réussi à ramener mon Pokémon avant. Donc là, je suis libre.
Aïe. Maintenant, il faut juste que j'arrive à sortir de cette zone de merde. Tu veux pas prendre l'aggro sur Péta ? Merci. Ok, c'est bon. Yes ! Ok, j'ai un bon setup. Putain, dis donc. Ah oui, mais ça, c'est inesquivable aussi. Ah mais je vois rien aussi, ça casse les couilles. Pourquoi Gabi est bloqué, s'il vous plaît? Oh, trop marrant. Le duel. Oh mon dieu, maintenant que je me suis déshabitué à la... de l'arbalète, c'est trop chiant. J'avais oublié à quel point c'était chiant. Cette victoire, je vous la dédie. Ça, c'est rien. Quel enfer. En plus, son talent, c'est masochiste. Les trois qui se sont sacrifiés, qui se sont suicidés comme ça, c'était marrant, j'avoue. Donc là, si je les prends... Bah, tu sais quoi, je peux me renforcer mon statut, parce que j'avais pris un level. On va augmenter le poids qu'on peut manger. Ouais, comme ça, on se prend pas la tête. Hop. On va augmenter notre poids. T'es en live ce soir? Ouais. Là, je fais juste mes petites heures quotidiennes. Il n'y avait pas des relous là. Il y avait trois relous, mais ils sont plus là. Bon, allez, retournons au camp. Il faut que je refasse des. Tu vas faire quoi en live ce soir? C'est React ce soir. Putain, j'en aurais chié hein, quand même. Hein. Oh là là, mais ils sont partout! Regardez, et on entend les bruits là, à l'infini, ils essayent de me viser. Attends, je m'aligne bien. Nice shot! On n'a pas essayé Tornade de sable? Ah! Oh, ok, c'est pas mal, hein, mais. Oh non, l'inventaire est plein. Ah, j'ai plus assez d'énergie. C'est pas très pratique de se battre avec ce genre de setup, hein. Ils sont sur ma gueule, ils me cassent les couilles. Oh là là là. J'aime pas me battre avec plume dans le cul, j'y arrive pas.
Ok. Ils sont partout dans nos villes, dans nos campagnes de ouf, hein. Quand ils pensent. Ok, on a dans la douleur, mais on a. Merde, attends, il faut que j'en reprenne pour moi. J'avais pas dit que j'arrêtais les baies grillées de merde là. Vas-y, attends, ça me saoule. J'avais dit que j'arrêtais les baies grillées, que je laissais ça pour mes pales. Et que je mettais du coup, je bouffais plutôt des œufs au plat. J'aimerais bien refaire des incubateurs, j'en ai plus. T'as vu tous les pales? C'est-à-dire tous les pales. Tu veux dire que, genre, est-ce que j'ai vu tous les pales existants? Non. Bah non, parce que je me... J'attends. Enfin, je préfère les découvrir petit à petit. Les découvrir. Comme les Pokémon. Sauf que Pokémon, bah, c'est mon taf. Donc, du coup, je me sens un peu obligé à chaque fois. Mais je suis toujours un peu triste de découvrir les pales en live. Enfin, les Pokémon, de devoir les découvrir justement. Alors que j'aimerais bien les mettre du temps à les. Enfin, tu vois, les découvrir petit à petit. Alors, c'est parti. Le gros œuf sombre donne un ox, on s'en bat les couilles. Le gros œuf chaud donne un reptiro, ça c'est cool. Et attention, l'énorme œuf de dragon va peut-être donner un rare, là. Enfin, devrait donner un rare. C'est parti. Allez, je vais y arriver. Attention, attention, énorme œuf de dragon. Un Jormungandr Ignis. Oh, il a l'air stylé, le Jormungandr Ignis. Oh, il a 4 en feu. Ah ouais, on va le mettre. À place de Van Wyrm. Il a chef d'assaut aussi. Qui augmente l'attaque du joueur. Putain, il est beau, hein. Attendez, on va le... Ah oui, et puis alors il est... Voilà, il prend pas trop de place, c'est bien, hein. Lui, à mon avis, il bouffe, hein. À mon avis, il bouffe beaucoup. Ah, il bouffe beaucoup. Mais pas plus que je pensais. Genre, quand tu compares à certains, ça va. J'ai aussi trouvé la bille machin aussi. Ah, j'ai fait le bat. Bon, elle fait rien. Lui, il fait rien. Lumoon. Elle est pas mal. Elle, c'est pas mal. Oh, il y a lui aussi. J'avais pas regardé. Oh, il est à 3 en aide, lui. Verdash. Il faut que je le mette dans le camp, Verdash. Et il mange très très peu. Oh, il est ultra rentable, lui. What the fuck. On va mettre Verdash à la place de... Commence à avoir pas mal de trucs, là. Peut-être à la place de... Lui, il est pas mal parce qu'il mine. Sinon, je mets lui à la mine. J'en ai quelques-uns qui minent encore, ouais. On va aller mettre lui au camp de mineurs. Et lui, il fait quoi? Elle est pas mal, Elisabie, aussi. Mais bon. Comme je la déteste, maintenant, j'ai plus envie de l'avoir dans mon équipe, quoi. Mais c'est vrai que... Elle est techniquement... Quand je compare à Valette, là... Elle fait du bois, éventuellement. Elle peut faire un peu de bois. Mais en échange, elle peut pas transporter.
Je pense que je préfère qu'elle transporte. Parce que j'ai pas tant. Si j'ai des transporteurs quand même, ça va. Oui, j'en ai plein. Okay. Hop. Ok. Bon, en tout cas, là, on commence à avoir des pearls un peu high level, hein, je suppose. On va mettre les nouveaux œufs parce qu'on en a plein. Alors, œuf. Putain, il nous en reste, hein. On avait tellement d'œufs. Tellement deux, pardon, excusez-moi. Bon, alors, il faut qu'on fasse des balles. Il faut qu'on fasse de la poudre à canon, déjà. Alors, poudre à canon, max, bam. Vous savez, ce que je dis toujours dans les histoires de drama, les gars, si vous n'êtes pas au courant, c'est sans doute que ça vous regarde pas et que c'est pas très intéressant pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ouais les boys, on s'en fout quoi. En vérité, soyons honnêtes. Ça va pas changer votre vie, hein. Je veux réparer mes objets. Ah oui, ils sont tous morts. Oh, j'ai plus de trucs d'une ancienne civilisation là. Est-ce que je peux me faire une armure en métal chauffante. Oh, pioche et casque. Des pales avec la capacité extraction. Donc ça, il faut que j'en fasse... Oh, et pioche et casque, c'est trop fort. Bah, c'est surtout dans l'autre camp qu'il faut que je fasse pioche et casque. Vas-y, go. C'est ton titre de live. Bah, mon titre de live, c'est pas Twitter, hein. Mon titre de live, c'est Palworld et Drama. Ça n'a pas vraiment de rapport. Ah merde, ici, j'ai pas ce qu'il faut. Oups. J'en profite pour ramener tout ça. Oh, il doit y en avoir deux milliards dans le truc parce que là ils ont encore tout détruit. 311. Ok. Alors, on reste calme. J'en ai 352 dans mon inventaire. Tout va bien. Il est où mon pistolet? Il est là. Oh non, il y a lui qui gêne. Attends, portée. Tire-toi, mon bourreau. Par là-bas. Est-ce que lui, il est type feu, ténèbres. Est-ce qu'il est rapide comme monture volante ou pas? Parce que Van Nuyen, en vrai, ça pourrait être sympa en monture volante. Faut que je... Bof, ok. Et Elzéphir, il est rapide? Je m'étais pas mis un... Ah oui, un Tombat dans mon camp. Les pales sans lit seront de mauvaise humeur. Ah ouais, putain, c'est vrai. Ah, bon, attends. Vous en avec la capacité passive qui augmente la vitesse. Oui, je sais. Ok, on va faire un lit. Bon, après là, ils savent pas trop quoi faire. Hein. Je vais peut-être remettre le... J'en profiter là pour remettre un...
un qui peut planter. Tiens, lui là, il va m'aider. Parfait. Et du coup, pour faire le truc, ouais, il faut que j'aille chercher. Ouais, on va chercher de la pierre et du métal. Bah après, sinon, je le fais ici. Hein. Vous voulez pas faire du métal ici? Non, c'est trop long ici. C'est trop long. Hop, ça ira plus vite de faire ça. C'est quoi la monture la plus rapide du jeu? Enfin, que je pourrais accéder... Regardez la vitesse! Ah ouais, mon bro? Vous avez vu? Ah oui! Ah, le niveau 4, c'est... Hein? Ah bah merci, hein, je... Oui. De t'y passer. Merci Seidenko pour ton sub, c'est gentil. 50 on a dit. Hein. Ah, je porte trop d'objets. Ih. Il va brûler le camp de ouf, hein. Vous voulez pas m'aider, Jean? Vous êtes pas 60 pour pouvoir m'aider? Regardez, ils s'ennuient. Ils sont mignons, ils s'ennuient parce que y a plus, ils vont trop vite pour le métal. Faire un troisième camp dans le jeu. Oui, tu peux. Je pense que je peux en faire un troisième, d'ailleurs. Mais pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt, si tu veux. J'ai pas de... J'ai mes ressources qui continuent d'augmenter petit à petit, tu vois. Donc ça va. Déplacer ta carrière de pierre dans ce camp. Ah ouais, ça pourrait être pas mal, mais en fait, c'est effectivement, hein, c'est smart ce que tu proposes. Le seul problème, c'est que j'ai peur que du coup, il soit en permanence sur le... Et puis la pierre, tu sais, j'en ai beaucoup besoin là-bas. Ouais, non mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Ouais, mettre une carrière de pierre pour quand il s'ennuie. Mais, bah, tu sais quoi, on peut essayer en vrai. Il y a peut-être un monde où ça les envahit pas en fait. Parce que j'ai peur qu'ils fassent ça à la place... Que quand il y a du métal qui proc, il le fasse quand même à la place. Parce que sinon, oui, effectivement, on peut mettre... Bon, tu sais quoi, on peut essayer, hein. Carrière. Ah ouais, mais j'ai pas les recettes. Bon, écoute, pour l'instant... Ils feront la carrière en prio. Ouais, bah c'est ce que je me dis, en fait. J'avais remarqué qu'ils essayent, souvent de faire les trucs que toi, tu... Ils la priorisent au minerai. Ouais, voilà, c'est ça. Écoute, bon, pour l'instant, restons-en là. Je vais quand même mettre un truc qui augmente la... Je vais quand même mettre le truc qui augmente la rapidité. Je vais quand même la mettre. Je
vais quand même en remettre une ici. Ça, j'ai toujours pas mis ça. Hein. Il faut absolument que je mette la grosse caisse à outils aussi. Il me faut des clous. C'est ce que font mes tombades dans mon camp. Ok, bon bah écoute, tu sais quoi, c'est pas très grave. L'important c'est surtout qu'en gros il y a une, il y a un restock régulier de métal et puis je pourrais toujours faire d'autres camps de métal si besoin. Alors, ah non mais c'est 15, pardon, aveugleman. Il y en a un qui est coincé, je pense. Il y en a un qui est en faim et qui est rongé par le stress. On va faire un petit reset. C'est lequel, là, qui est en stress? Je sais plus. Je crois que c'est lui. Ah, il était bloqué, ouais. Il avait la faim hyper basse. Et il va directement aller bouffer. Ouais, c'est ça, il avait faim. Ok. Ah, nice. Attends, je vais pouvoir lancer les balles de pistolet. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, du coup, la caisse à outils. Alors ça, c'est juste, en gros, tu peux les... C'est très décoratif, donc on va mettre ça, parce que ça affecte tous les pales dans ton camp. Donc on va la mettre là. Ce sera joli ici. Si jamais tu trouves une nouvelle ressource, tu sais que t'as un camp dispo. Ouais, il y a ça aussi, en fait. Le truc, c'est que je sais qu'il y a d'autres ressources que j'ai pas encore, donc je vais attendre un peu avant de mettre mon nouveau camp. Et l'autre truc, du coup, c'était la pioche et le casque. On va la mettre là, ce sera marrant. En mode décoratif. Les clous, ça sert à quoi? Bah, ça sert à plein de trucs. C'est genre là, j'en ai eu besoin pour faire la boîte que je viens de faire. Ah, ils peuvent pas venir m'aider, par contre, je me sens con. Bon, c'est pas grave. De type passier. Merci, Tobos, pour ton sub. Merci beaucoup, mec. Il est quelle heure là, 18h30? Ça sert à quoi ce que tu builds? Ça sert à... augmenter la puissance, enfin la vitesse d'extraction, de minage de mes pales. Et donc du coup, bah, tu sais, notamment j'ai la carrière, ça va augmenter leur vitesse. Tu peux obtenir un pal très intéressant via la reproduction de deux des tiens. Ça m'intéresse seulement si c'est une monture. En vrai, j'aimerais bien avoir une monture plus rapide, là. Le micro est pas comme d'habitude. Ouais, tu vas t'habituer. En fait, c'est genre... J'ai un nouveau setup depuis une semaine environ. Un peu plus qu'une semaine, 10 jours. Donc tu vas t'habituer, t'inquiète pas. C'est qu'en fait, avant, mon son était très cru, et maintenant, j'ai un son qui est plus contrôlé, quoi, plus radio, quoi.
Tu sais, en mode, regardez, je peux faire... Skyrock, bienvenue dans la nouvelle émission. Booba, Booba, Booba. Et son nouvel album, nouvel album. Pas mal, hein? Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai reset, non? Sans faire exprès, je crois que j'ai reset. Bon, c'est pas très grave, mais... Hop. Hop. Bienvenue chez Fildrong. Aujourd'hui, dans ce live. Vous trouverez... Bon, j'arrête. Je peux faire un lit de qualité. On s'en fout. Une mine. Un rempart. Je voulais aller faire le... Ils ont fait les balles ou pas? Ils sont encore en train... Non mais regardez ces esclaves, c'est un peu... On est sur France Bleu Poitou. Non, France Bleu Poitou, c'est... Cette dernière musique vous a été proposée par Michel Lieb, qui est un petit artiste indépendant. On espère que vous apprécierez la découverte de cet artiste. Flèche de feu, ça a l'air stylé, non? C'était 10, c'était 4. Bon, je voulais qu'on aille tabasser... je voulais qu'on aille tabasser, qu'on aille recapturer, pas tabasser. Il faut qu'on recapture elle là, Pétalia, parce que je voudrais pouvoir upgrader la mienne. Et puis c'est aussi un des meilleurs. Maintenant, qu'on commence à avoir des lives de mecs de haut niveau. Tu peux venir? Je commence à voir et genre ils ont tous Pétalia dans leur team. Des lives karaoké prévus, bien sûr. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie. Seul enfant de son lit. Seul enfant de la nuit. Celui qui... n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie. Vas-y, on se bat avec qui? Rexo. Ah, on l'a pas essayé lui encore. Oh, il est gros. Mais... pousse-toi, je vois pas le Pokémon derrière. Allez, tu peux tirer vraiment vite.
Ah ouais, c'est fort, hein. En vrai, ça pourrait être pas mal d'avoir Rexasaurus, qu'est-ce que vous en pensez? Il a l'air fort, quand même. Je suis toujours pas sûr de quel Pokémon mettre, en fait. Pour l'instant, il y en a que deux qui sont vraiment permanents, je pense. Parce qu'en fait, j'avais mon équipe permanente du début, mais là, c'est un peu mon... Je suis un peu en train d'essayer de faire une équipe de mid-game, end-game. Donc, le seul que je veux vraiment pas bouger, c'est... En fait, je pense que je vais enlever Warsect. Enfin, je sais pas, en fait. Bon, on va rien. Attention, hein, faut pas le tuer quand même. Hein. Je rappelle que je veux le capturer, idéalement. Doucement, doucement. Il y a 50% de chance de capture. Putain, les terrasphères, c'est goat, hein. Non, ce sera pas ce soir l'escape game. En fait, Redemption l'a fait hier. Donc, du coup, non. Peut être utilisé comme monture pour se déplacer, permet l'utilisation du tir rapide au lance-missile. Il est type électrique. Warsect, il est type quoi? Il est type terre-herbe. En vrai, Warsect, c'est peut-être pas optimisé. Est-ce qu'il a des bons talents, lui? Non, il a juste sang-froid. Il me faudrait des... En fait, c'est plus... Non, mais je veux pas le prendre, lui. Mais il me faut plus des Pokémon qui ont des bons talents, en fait. Faudrait que je regarde quels Pokémon ont des bons talents. Je vais retourner à mon camp, parce que j'étais assez chaud pour continuer à faire un peu mon camp. En fait, tu vois... Plume dans le cul, je pense que je le garderai, mais le fait qu'il soit... qu'il ait pas les bons talents, ça m'énerve un peu. Faudrait que je regarde si je trouve pas un plume dans le cul un peu amélioré. Le talent de Warsect est très fort. Ouais, je sais, ouais, tu prends moins de dégâts quand tu l'utilises. Mais bon. Je pense qu'ultimement, tu te fais un peu la team que tu veux toi, quoi. Il y en a un autre qui s'est coincé. Il se coince souvent quand même. Lui il est gros donc à mon avis il se stocke souvent. Jet Dragon, c'est le meilleur pal. Bah, je l'ai pas vu encore, donc je ne peux pas te le dire. Sans doute, mais pour l'instant, je ne sais pas. Ouais, j'ai 6 balles de pistolet. Dans le cul, il est cool, mais il est lent. Bah, c'est pour ça en fait. Et en fait, ce qui me fait chier, c'est que je l'ai beaucoup upgrade et que ça coûte très très cher de désupgrade un pal. Du coup, c'est un peu une erreur. Bah, tu fais toujours des erreurs quand tu débutes, quoi. Mais 64 000, j'ai pas l'argent, mon gars. Donc, j'aimerais bien le réinitialiser, mais j'ai pas l'argent. Je lui ai mis 30, je lui ai quand même mis beaucoup de trucs, si vous voulez. Donc, Petalia, c'est sûr, je le trouve vraiment trop bien. À mon avis, c'est trop trop fort d'avoir la bénédiction florale. Et en plus, il a vraiment des talents de ouf. Donc lui, je veux le garder. L'autre que je veux absolument garder dans l'équipe, c'est mon Dire Hall, que je trouve vraiment trop cool. Il est où d'ailleurs? Micheline. Micheline, je veux le garder dans la team, c'est sûr. Et regardez ses talents. Il a impulsif, chef d'assaut et rentre dedans, le mec. Genre, il est vraiment, vraiment très fort. Il tape vraiment très fort, il a attaque plus 30%, l'attaque du joueur augmente de 10% et encore de l'attaque en plus. Donc il fait vraiment très 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 bien le taf. En plus c'est une super monture dans les donjons.
parce qu'il est, il prend pas de place et tout, et il a des attaques de zone. Maintenant, il faut que je trouve un peu qui je mets comme Pokémon un peu plus endgame. Faudrait que je regarde, hein. Faudrait que je regarde dans les Dire Wing que j'ai. Si j'ai un peu merdé parce que j'ai tout mis sur mon Dire Wing à moi qui n'a pas des bons talents, quoi. Mais c'est bien, on apprend, quoi. Sinon, lui, il a Sprinter, tu vois. Il me faudrait une monture avec Sprinter. Faudrait que je regarde si j'ai pas une monture qu'a Sprinter. En fait, c'est ça que tu dois chercher. En fait, il faudrait que je fasse se reproduire des... En vrai, attends. Ah, je peux pas faire de gâteau parce que j'ai pas d'œuf. Ouais, chiant. Tu vois, lui, Gabi Attal, c'est pareil, je l'aime beaucoup, mais il a pas les bons talents. Là, il a motivateur, lui, c'est qui? La productivité augmente de 25%. Lui, il a chanceux et sprinter, tu vois, c'est stylé, mais... Mais il est un peu vieux, quoi. Bon, bref. Je pense que je vais m'arrêter là, je voulais faire une petite session. Glaze Claw est vraiment ouf à avoir, son planeur est juste insane. Combiné au grappin, c'est débile pour... Ah ouais, ouais, j'ai vu des... Mais j'ai vu des PGM qui se déplacent avec le grappin, c'est impressionnant, ouais. Ils sont là, ils font genre... Mais bon, celui-là, il a pas beaucoup de range. Et oui, à la fin, t'as des grappins qui ont une portée gigantesque et... Tu peux accélérer de ouf. Mais bon. Non, mais on finira par trouver. Pour l'instant, je garde les pales comme ça. Si je trouve mieux, je... Voilà. Mais c'est vrai que là, du coup, je vais moins essayer de les... Pour l'instant, là, j'essaie plus d'améliorer Péta et Micheline. Micheline, elle a 603 en attaque au niveau 30. Je pense que c'est beaucoup, tu vois. Et il faut que j'économise de l'argent. Je sais pas comment je pourrais faire. Il faudrait que je vende mes pales. Mais j'ai pas envie de vendre mes pales. Stratège de forceresse, c'est quoi? La défense du joueur augmente. Tu vois, ça aussi, c'est stylé. Avoir un, la défense du joueur augmente dans ta team, c'est pas mal. Reptiro, est-ce qu'il est fort comme pal? Il doit être fort, non? Ça doit être pas mal de l'avoir dans ta team. Hein. Je peux backseat pour la team en masse. Non, mais je... pas tout de suite. Peut-être je demanderai une autre fois. Pour l'instant, c'est pas mon objectif, si tu veux, mais... Reptiro, il est excellent sur le camp. Ouais, mais je l'ai déjà sur le camp. Bon, allez. On va s'arrêter là, je pense. C'est quoi, sérieux, déjà? Anti-irritation. Tu peux augmenter le niveau du camp. Il faut que je fasse une chaîne de production d'armes et une source chaude réputée. Donc ce sera pas pour aujourd'hui. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que je vais relive à 21h, je rappelle. Donc on se retrouve tout à l'heure à 21h pour le react sur On a échangé nos mamans. Gros bisous les gars, à toutes.